Bonsoir Estelle, René, bonsoir. Comment allez-vous? Bienvenue Céline, bonsoir. Bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous, une initiative donc de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero pour la diffusion de la psychanalyse. Bénice, Marie, Célia, bonsoir. Saïs, bonsoir. Féti, bonsoir. Nassila, bonsoir. Et Najat, bonsoir. Nathalie, bonsoir. Jean-Loup, bonsoir. Bienvenue à tous. Donc pour un mardi de psychanalyse pour tous, une nouvelle rencontre. Françoise, bonsoir. Elisabeth, ici tout va bien. Simil Bidovic, Bidovic, je vais dire, ça va être plus facile. Antonio, bonsoir. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Donc Camille, bonsoir. Annick, bonsoir. Blanche, bonsoir. Donc nous sommes ici. Séverine, bonsoir. Donc, Nadine, bonsoir. Najat, je vous en prie, oui, l'initiative est intéressante pour tout le monde. Régis, bonsoir. Sonia, Serge, et enfant heureux, bonsoir. Comment allez-vous? Donc, ce soir, nous nous sommes proposés de voir un petit peu, de penser, et Michel, bonsoir, de penser un petit peu ce que ça veut dire. Grâce aux apports de la psychanalyse, comment aujourd'hui on peut penser la communication? Paola, Nadia, bonsoir. Comment on peut penser la communication un petit peu de façon différente de ce que nous pouvons, avec simplement l'apparence, ce que nous pouvons en penser? Sinon que les instruments de la psychanalyse qui pensent, non, ce sujet parlant, ce sujet que nous sommes, Samia, bonsoir, à qui nous sommes ce sujet du langage, et donc nous sommes surdéterminés par cette position, Isabelle, bonsoir, Monique, bonsoir, par cette position du langage qui va faire que nous avons une relation chacun toute particulière avec le langage, et que les deux, Angela, Karima, bonsoir, et que c'est les deux instruments qui sont donc à notre disposition, qui sont donc la parole et l'écoute. Sandra, Annie, bonsoir, bienvenue donc à tous. Donc Asima, bonsoir. Donc je vous rappelle pour commencer que donc nous sommes dans cet espace de diffusion gratuite de la psychanalyse, qu'il existe aussi donc en français de la part de l'école de poésie et psychanalyse des cours en français, que maintenant nous sommes en train de réaliser sur le cours sur la pulsion, qui est un cours très intéressant. Claudette, bonsoir. Et il y a aussi un atelier de poésie, donc, et qui, bien sûr, qui est à votre disposition les services d'une psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Donc aujourd'hui, nous sommes proposés de présenter ces deux actions que nous utilisons tous les jours, qui sont parler et écouter, qui ne sont pas des actions aussi simple que nous aimerions le penser. Claudine, bonsoir. Et Yana, bonsoir. Sarah, bonsoir. Donc on va voir que parler, Sarah, bonsoir, parler a une complexité, qu'il ne s'agit pas simplement d'articuler des sons, Laura, bonsoir, non, ou d'émettre des sons, Fanny, bonsoir, et d'utiliser des mots pour s'exprimer ou émettre un message, sinon que pour que qu'il y ait quelqu'un qui le reçoive, parce qu'en général quand on parle, on s'adresse toujours à quelqu'un. Daniela, bonsoir. Donc il y a une complexité qui va bien au-delà, on va dire, qui va bien au-delà, Martine, bonsoir, qui inclut donc une autre dimension, qui inclut la dimension du langage,
Et on va voir que une dimension du langage où on peut dire qu'en fait que les mots parlent entre eux, que nos mots vont bien au-delà de nous-mêmes. Hein? Ibrahim, bonsoir. Que ce que nous disons, hein, ce que nous disons va bien plus loin, va bien au-delà de ce que nous croyons dire, on va dire, non? Un bonsoir. C'est pour ça qu'on dit que les mots parlent entre eux, que ce ne sont pas tellement les gens qui parlent entre eux, sinon que ce sont les phrases qui parlent entre eux, que nous sommes des intermédiaires pour que les phrases puissent s'exprimer. Alors, c'est-à-dire que nous ne savons jamais vraiment ce que nous nous disons, hein, que nous sommes un petit peu aveugles à nos conversations, que nous ne savons pas exactement ni ce que nous disons, ni et encore moins ce que l'autre va recevoir de ce que nous disons. Aurida, bonsoir. Non, c'est-à-dire que les effets de la communication, les effets du langage sont inconscients. Et inconscient, ça veut dire que nous ne les connaissons pas. Hein, et que l'inconscient est partout, et aussi bien évidemment dans le langage. Et que la communication, donc, avec quand l'inconscient, on va dire, n'est pas pris en jeu, ben, la communication, non, provoque fréquemment des difficultés, non, puisqu'on ne se sent pas compris, on a des difficultés pour exprimer ce qu'on pense, ce qu'on veut dire, non, et qu'il y a donc un apprentissage à la parole et il y a un apprentissage aussi à l'écoute. Que écouter et parler, ce ne sont pas des choses qu'on va pouvoir réaliser sans un certain apprentissage. Il va falloir ça aussi pour l'être humain apprendre, qu'il ne s'agit pas simplement de l'alphabet et d'un alphabet. Non, c'est-à-dire que parler, ben, ce n'est pas facile. Nidal, bonsoir. Que parler, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que parler, en fait, Fatima, bonsoir, est toujours déterminé par la personne qui m'écoute. Non, c'est-à-dire que je ne vais pas parler de la même façon à une personne qu'à une autre. Ou si je le fais, parce qu'il y a certaines personnes qui ne font pas trop la différence, qui s'occupent plus de ce qu'ils veulent dire, de ce dont ils ont besoin, non, ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Et donc, ils ne s'occupent pas trop de la personne qui est en face d'eux et qui répète leur petite histoire, qui vont les raconter leur petite histoire à droite, à gauche, et en répétant la même chose qui les intéresse. J'ai découvert que lorsque quelqu'un chante ou marmonne une chanson, un air musical, lorsqu'elle fait la vaisselle, par exemple, il y a quelque chose qui se dit, effectivement. On ne choisit pas n'importe quelle chanson. Salma, bonsoir. Effectivement, non, on va utiliser les paroles d'une chanson pour dire en fait quelque chose avec lequel nous sommes d'une manière ou d'une autre en relation. Alors peut-être pas exactement la phrase que dit l'autre, mais qui est en relation avec nous. Donc, on pourrait se poser la question, Pascal, bonsoir, on pourrait se poser la question si chacun d'entre nous, nous savons quand nous parlons avec qui réellement. Face à qui nous parlons? Felipe, bonsoir, non? Est-ce que je sais vraiment qui j'ai devant moi et à qui je dois parler? Parce que ici, donc, l'idée, c'était de parler un petit peu de la communication, du parler et de l'écoute au niveau professionnel, puisque le parler et écouter au niveau professionnel, comme dans toutes les relations sociales, mais ici, principalement, puisqu'il y a un objectif précis qui est le développement de la tâche, le développement du travail que nous devons réaliser. Et la communication, donc, bien évidemment, est un axe essentiel. Donc, ce n'est pas la même chose que de parler à un collègue, que de parler au chef, que de parler à un responsable, que de parler à la femme de ménage, que t'as là bonsoir. Mais que tous ces gens-là font partie de ce monde professionnel dans lequel on peut, ou un client, ou un fournisseur, tout ça, ce sont, non, des relations qui vont être différentes. Et donc, on va voir ici si on peut voir des nouvelles idées qui peuvent nous apporter des choses pour, on va dire, je ne sais pas si pour améliorer, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de théorique, non? N'oublions pas que Freud, il nous disait que la théorie, c'est un petit peu comme un menu. C'est un menu, c'est-à-dire que ça ne va pas nous permettre de manger, ça ne va pas nous permettre de nous transformer. Sylvie, bonsoir. Donc c'est un menu qui peut être attirant pour que, enfin, nous allions consulter un psychanalyste pour justement apprendre à parler et apprendre à écouter.
Donc je disais qu'il est très important d'apprendre à savoir qui est en face de nous. Et que l'idéal, je dis l'idéal parce que c'est quelque chose, pas qu'il soit inaccessible, mais que c'est le résultat d'un grand travail. Parce que l'idéal, ce serait, ou ce que nous, pour lequel nous devrions travailler, c'est de pouvoir être en face de quelqu'un et d'être toujours, en fait, on a un rendez-vous, par exemple, quel que soit le professionnel avec qui nous devons nous rencontrer, et d'arriver comme avec la tête, non, en blanc, c'est-à-dire rien dans la tête. Rien dans la tête, pourquoi? Pour être disponible à tout ce qui va se passer, autant à notre propre mot qu'à ce que l'autre va dire. C'est-à-dire ne pas aller avec des préjugés à un rendez-vous, quel qu'il soit, de pouvoir être disponible, de croire que nous avons déjà assez d'informations, hein, nous avons, on va dire, notre savoir inconscient qui va pouvoir donc se rendre mieux compte, parce que si on se présente face à l'autre sans préjugés, c'est-à-dire en renonçant, sans préjugés, ça veut dire renoncer à ses propres idées. Renoncer à ses propres idées pour laisser que de nouvelles idées puissent apparaître. Najat, merci à vous. On va voir donc que parler le langage, non, c'est ce qui nous différencie bien évidemment du règne animal et c'est qui va nous positionner dans ce monde du langage où certains théoriques disent que la parole, c'est le véritable traumatisme de l'être humain. C'est d'avoir appris à parler, d'avoir appris à parler, ou ce langage en fait qui est complètement inappréhensible, c'est-à-dire que je ne vais jamais vraiment pouvoir dire ce que je veux dire, et que ce que je dis est toujours à côté de la plaque, on va dire d'une certaine façon, dans le sens où je dois me laisser dire, et c'est ce laisser dire qui va former quelque chose. Non, il y a cette phrase du maestro Menassa, le directeur de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero, qui dit, et qui est très joli, je rentre en scène après mes mots, après mes phrases. C'est-à-dire que je ne prépare pas mon texte pour aller réciter comme un acteur, sinon que je vais rentrer en scène comme acteur après mes mots. Ce sont mes mots, ce sont mes phrases qui vont me présenter. Donc je disais que le langage, c'est ce qui nous différencie donc du monde animal. Et que Freud, il indique, et ça c'est quelque chose de très intéressant, qu'il indique que quand l'être humain donc a pu émettre sa première insulte, il a pu abandonner le fait de lancer une pierre contre l'autre, c'est-à-dire qu'il a pu renoncer à utiliser son corps, non, pour communiquer avec l'autre, on va dire, qu'il a pu utiliser la parole. C'est pour ça que il est nécessaire d'apprendre à parler, d'apprendre à dire. Et pour pouvoir s'exprimer au moment où il faut, avec la personne adéquate, et de pouvoir dire les choses qui conviennent. Et ce n'est pas facile. C'est un travail, puisque en fait, oui, comme je disais, tout dans l'être humain doit être appris. Donc, c'est à partir donc de cette première insulte, dit Freud, que nous sommes rentrés dans la civilisation. Donc dans ce nouveau monde, dans ce nouvel univers. Et le maestro Menassa, donc le directeur de l'école, nous dit aussi que une chose qui est très intéressante, Samia, bonsoir, il nous dit aussi que parler a le charme de ne pas faire. Hein? Et ça, c'est quelque chose, comment faire pour accueillir l'autre la tête vide? Après, ça, c'est un apprentissage, c'est un travail, Séverine. Beaucoup d'années de psychanalyse. Donc parler a le charme de ne pas faire. Il va dire que c'est là une certaine malédiction, parce que ne pas faire, ça ne s'obtient pas avec le corps, mais avec les mots. Donc au lieu de mettre en jeu le corps, je dois apprendre à parler pour ne pas avoir à utiliser le corps. Non, que justement, donc comme on disait, au lieu de lancer une pierre contre l'autre, que lui donner un coup de poing, hein, de pouvoir parler, de pouvoir dire, non, de pouvoir exprimer et dire ce qui correspond. Pourriez-vous me dire dans quel ouvrage Freud parle de la première insulte? Non, je suis désolée, Philippe, je ne me rappelle pas.
Je peux imaginer Totem et Tabou, par exemple, mais je ne sais pas. Et bonsoir, Faïsou. Et que dans les relations, alors c'est vrai qu'il existe par exemple des relations où on parle très peu, où il y a très peu de communication, ou que pratiquement il n'y en a pas, non? On peut parler par exemple de certaines relations amoureuses où les gens, ben, ils ne parlent pas beaucoup. Et on va dire que toutes les relations, en fait, où il y a toutes les relations où il y a un défaut de parole, ou qu'on va dire la parole n'est pas nécessaire entre nous, il n'est pas nécessaire de parler parce qu'on s'entend, non? On n'a pas besoin de parler pour s'entendre, donc on vit d'une certaine façon sur une phase un peu imaginaire. Est-ce que la timidité empêche de bien parler? Bah oui, pas grave, je me disais aussi Totem et Tabou, merci. Oui, bah, tout le monde, Marie-Thérèse aussi, elle le dit, Totem et Tabou. D'accord. Et donc, un des éléments les plus importants dans la communication, ben, bien évidemment, c'est l'écoute. On va commencer par l'écoute. On va commencer par l'écoute. Parce que apprendre à écouter, ça va aussi nous aider à apprendre à parler. Donc, on va dire que ça va aller tous les deux ensemble. Donc, bien évidemment. Parce que l'écoute, on va dire, écouter quelqu'un, ça produit le désir. Ça produit le désir, ça produit un intérêt, ça produit un attrait, non? Il y en a certains qui disent que pour séduire les femmes ou pour séduire les gens, on va les écouter. Psychosocial sur la communication, le principe de contrat déjà. Mais tout ça, c'est, si vous voulez parler d'un contrat, il y a un contrat peut-être, mais il est inconscient. D'accord? Donc, nous sommes le résultat de ce contrat inconscient. Non? Nous sommes le résultat de ce contrat. Donc, je disais que l'écoute, non? Que ça va être un élément essentiel dans la communication, en plus du regard et de la voix, que l'écoute, que l'autre se sente écouté, non? Ça produit donc du désir, de l'intérêt et une attirante. Donc, bien évidemment, il va falloir faire la différence entre entendre, je t'entends et je t'écoute, non? Bien évidemment. Donc, parce que on va voir que dans l'écoute, il y a cette difficulté que nous avons dans la communication à écouter et à laisser place à la surprise que l'autre va venir nous dire quelque chose que nous ne savons pas, non, ce qu'il va présenter. Si nous avons déjà une idée en pensant que ou d'un côté ou de l'autre, ou ceci ou cela, donc obligatoirement nous réduisons énormément la possibilité de cette écoute, non, on va la faire une grande réduction. Écouter n'est pas entendre, bien évidemment. Donc, et que parler, de la même façon que parler, ce n'est pas simplement, ou la communication, ce n'est pas simplement dire et se taire, non? Qu'il s'agit, on va dire, que écouter, ce n'est pas se taire. Écouter, c'est autre chose, non? Écouter, c'est quelque chose d'actif, une écoute active, dans le sens où l'autre se présente et je ne sais pas de quoi il va me parler. Je ne sais pas de quoi il va me parler, même dans les relations professionnelles. C'est-à-dire que je dois toujours être disponible à ce qu'il me présente quelque chose qui va me surprendre. Parce que si j'imagine déjà d'office, si il ne me présente pas ce que moi j'imagine, ben je ferme les persiennes et j'écoute pas. Et j'écoute pas. Non? Comme il y a certaines personnes qui ont besoin pour présenter ce qu'ils vont présenter, de faire une petite introduction, que je veux dire que chacun, nous avons notre manière d'être en communication et qu'il faut écouter le discours, non, ce que l'autre va nous présenter. Bon, après, c'est vrai qu'on peut aussi apprendre à parler pour aller directement au but. Et que nous avons donc tendance à faire taire l'autre. Et nous ne nous en rendons pas compte, mais nous avons tendance à faire taire. Alors, nous avons tendance à faire taire parce qu'on va tourner la tête quand il y en a un qui se présente en nous venant nous parler, ou directement, l'écoute, ça reflète l'attention et l'intérêt. Non? Et parce qu'il y a des choses, parce que dans l'écoute, il va falloir pouvoir tolérer tout ce que l'autre, toutes les phrases que l'autre va nous dire. Que ça nous intéresse, que ça ne nous intéresse pas, qu'on trouve judicieux ou que quelle que soit la note qu'on va mettre sur le discours de l'autre, non, c'est
C'est donc quelque chose qui va rentrer en compte dans la possibilité de ce dialogue. Donc, voir toutes les fois que nous devons le faire, nous tous, c'est de faire taire l'autre d'une manière ou d'une autre en disant je sais déjà ce qu'il va me dire. Non, il y a déjà tous les préjugés, on va les appeler les préjugés dans le sens où j'imagine ce que l'autre va me dire et donc du coup il y a une partie de moi qui se ferme et parce que dans l'écoute aussi il va falloir s'abandonner soi-même parce que pour écouter l'autre je ne peux pas penser à moi, si je pense à moi je n'écoute plus l'autre, si j'écoute, si je m'occupe de voir comment j'écoute l'autre, non, aimer c'est comprendre, donc forcément écouter. Alors Véro, bonsoir. Donc on va dire que écouter ça ne veut pas dire comprendre. Non, ça, c'est une autre chose. On peut écouter sans comprendre. Parce que des fois, non, on ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et tout d'un coup, il y a l'articulation, le dernier. Non, c'est comme je crois en allemand ou la langue allemande, où il y a toute la phrase, et c'est seulement à la fin que vient se concrétiser, non, et qui donne un sens. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'autre pouvoir développer ce qu'il a à nous dire parce qu'il va fermer le sens ou il va nous donner la clé de tout ce qui vient avant, à la fin. À la fin, il va nous expliquer, il va nous dire, voilà, c'est ça. Donc, si on ferme avant, ben, il n'y aura pas de fin, non, si on n'écoute pas jusqu'au bout. Donc, pour pouvoir écouter, je dois renoncer, renoncer premièrement à m'écouter, écouter. Faire taire l'autre, c'est une forme de contrôle. Faire taire l'autre, c'est une forme de répression, Annie. Non, c'est une forme de répression, c'est la répression qu'on teste tant. Aux organes aux organes des gouvernements, des États, non, en fait, nous avons tendance, nous aussi, à réprimer de la même façon qu'on va réprimer non seulement ce qu'on aimerait bien pouvoir dire, mais on va dire non, je ne veux pas dire ça, c'est pas assez correct, il faut le dire plutôt ceci, il faut dire plutôt cela. Donc on va se réprimer soi-même et surtout, dans l'écoute, on va réprimer le discours de l'autre, et on va le réprimer, attention, sans s'en rendre compte. Je ne parle pas de cette répression où on se rend compte qu'on le fait, sinon que il y a des répressions où on ne se rend pas compte qu'on est, on empêche l'autre de parler, on l'empêche de parler. Donc à la fin, bah, l'autre il sait que bah, il peut plus parler avec telle personne, donc il parle plus. Puis après il dit bah, non, on se parle plus là, on est deux collègues, oui tout le temps, mais on se parle plus. Donc il s'est passé quelque chose. Non, il s'est passé quelque chose dans la conversation, parce que non seulement celui qui écoute, il doit renoncer donc à se regarder, écouter, à se regarder, est-ce que le stress nous empêche de parler en public, de mal exprimer toutes les pensées? Donc le stress, bien évidemment, justement, non? Donc le stress va être quelque chose, c'est toute une énergie qui reste, non, dans le sujet et qui ne permet pas d'être dans l'écoute. Donc tous ces phénomènes sont des phénomènes qui vont nous empêcher d'écouter correctement l'autre. Enfin, d'écouter, d'écouter, parce qu'il n'y a pas d'écouter correctement ou pas correctement, il y a j'écoute l'autre ou je ne l'écoute pas, ou j'ai la moitié de mon énergie qui est encore sur moi, et après, en plus, une chose qui est beaucoup plus difficile et qui est nécessaire dans le travail, c'est de pouvoir oublier mes idées, oublier ma manière de penser, oublier que je pense que je préfère le bleu au rouge, oublier que je préfère la droite de la gauche, ou que, salut, j'ai raté le début. Parler et écouter. Donc, le thème d'aujourd'hui, non? C'est-à-dire que, étant le travail, ça va être un élément qui va être essentiel. C'est-à-dire que je dois oublier, oublier ou mettre de côté, on va dire, parce que mettre de côté mon idéologie pour pouvoir écouter l'autre. Et en plus, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que si j'arrive à, un petit peu, si j'arrive à renoncer, à renoncer à mes propres idées pour écouter, qu'est-ce que je vais écouter? Les idées de l'autre. Je vais pouvoir me rendre compte comment l'autre pense, à partir de quelles idées il pense, quelles sont, non, quelles sont ses tendances, on va dire, quelles sont ses tendances. Donc ça va être très intéressant parce que ça va réellement me permettre de voir plus ou moins, en tout cas dans cette conversation, avec qui je suis, parce que la personne avec qui je parle n'est pas toujours la même personne, sinon que à chaque fois c'est une personne différente. Non, je veux dire que ça, c'est une chose, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire que nous sommes en perpétuel changement.
Donc nous avons la possibilité aussi de transformer nos manières de parler, de transformer nos idées, non? Et il va falloir se dire que pour écouter l'autre, c'est pour ça que je dis que c'est un apprentissage, parce qu'il va falloir aussi renoncer à interpréter ce qu'il me dit. Parce que moi, j'ai tendance à interpréter, à tout dire, regarde avec la tête qu'il a, il a l'air fatigué, il est stressé, il parle à cause de ceci. Alors j'interprète au lieu de l'écouter. Hein? Donc vous voyez que c'est un travail. En fait, on va dire que pour écouter l'autre, je dois faire un travail de moi. De moi dans le sens où je dois renoncer à des tendances que j'ai, par exemple, dans ma vie quotidienne, où j'ai l'habitude de juger, dès que je vois quelque chose, poum, je le juge, dès que je le vois quelque chose, non, je vois si ça m'intéresse, si ça m'intéresse pas, je ne donne pas la possibilité à l'autre. Et dans le travail, bien sûr, ça c'est un grand inconvénient, non, c'est un grand inconvénient. Donc les interprétations trop rapides sur ce qui se passe, non, qui vont bien sûr une interprétation rapide, et en plus si c'est une interprétation que je fais à haute voix, ben, je vais faire taire l'autre rapidement. D'accord? Et donc il y a, comme je disais, des communications qui vont s'interrompre, des relations avec les autres qui vont s'interrompre, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas écouté, qui n'a pas écouté. De s'oublier, Paola, exactement. Écouter l'autre suppose de s'oublier, pas un peu, mais de s'oublier complètement. On peut s'oublier complètement, non? Comme quand on rentre dans un bon livre et qu'on s'oublie complètement parce qu'on est passionné, ou quand on va, non, voir un bon film et on s'oublie et on rentre dans le film, ben, écouter l'autre, ça devrait être quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire s'oublier soi-même pour écouter l'autre. Donc ne pas attribuer, bien sûr, des choses à l'autre alors qu'on n'a pas fini de l'écouter, parce que ça, c'est une tendance, on va dire, que quand on laisse pas parler l'autre, quand on va intervenir, quand on va non, l'interpréter, quand on va lui attribuer des choses qui ne correspondent pas, ou même si ça correspond, en fait, d'une certaine façon, non, on va l'assassiner, parce qu'on ne le laisse pas, je réfléchis longuement avant de parler ou de répondre, car dans les débuts de ma scolarité, une enseignante insistait sur le fait de bien réfléchir avant de parler. Exactement, tourner la langue cette fois dans la bouche. Alors, ça, non, c'était les méthodes répressives d'éducation. Non, c'était les méthodes répressives d'éducation qui nous disaient de tourner la langue sept fois dans la bouche. Alors après, je ne sais plus ce que je veux dire. Si je fais ça, je ne sais plus du tout. Alors je dois apprendre mon texte et là, je deviens une actrice. C'est puis moi, que faire du ressenti émotionnel quand on écoute l'autre? Ben voilà, Joseph, effectivement. Donc quand il y a des émotions, parce que justement, il y a des phrases de l'autre que je ne sais pas quoi faire avec ces phrases, il m'a dit telle chose, il m'a dit, ou j'ai écouté, parce que même il ne va pas obligatoirement parler à moi directement, ou même s'il m'a parlé à moi, il parlait d'autre chose ou d'une autre personne, et que j'ai un ressenti face. Et moi je dirais, pour répondre comme ça un petit peu, faut pas s'en occuper de son ressenti, faire comme si on n'avait rien senti, faut pas s'en occuper. J'ai renoncé à mes idées ce matin. C'est très bien. J'ai dû écouter, j'ai cru subir, mais hein, cette personne parlait, j'ai eu l'occasion de la laisser être ce qu'elle est en face. Alors, non, parce qu'on a l'impression que là, on fait un bien à l'autre. Mais quand on écoute l'autre, on se fait un bien à soi-même. On va découvrir quelqu'un qui pense de façon différente. Parce que ça va être aussi ce qui va rentrer en jeu. Non, ce qui va rentrer en jeu aussi, c'est de tolérer que l'autre, bah, il n'a absolument pas les mêmes idées que moi. Il a des idées complètement différentes, non? Et quand on écoute l'autre et qu'on ne comprend pas, cela signifie quoi? Ben, peut-être qu'on n'a rien à comprendre. Si on ne comprend pas, c'est peut-être parce qu'on n'a rien à comprendre. Que l'autre y parle, on écoute. Et puis en plus, il y a une compréhension, Céline, qui se fait, non? Qui peut se faire dans le travail. On va dire, oui, il m'a dit que je vais aller là, que je vais faire ci, que je vais faire ça, donc j'ai compris ce que je vais faire, donc j'applique les indications qu'il m'a données. Mais après, quand il y a d'autres types de conversations, on va dire qu'il y a une compréhension qui se fait sans que ma conscience comprenne. Non? Un petit peu de la même façon que quand vous avez appris votre langue maternelle, eh ben vous avez appris votre langue maternelle sans rien comprendre au départ, et tout en sachant que nous nous comprenons seulement à 40% avec la même langue. Alors, mettre un pourcentage, c'est un petit peu particulier dans le sens que comment on va savoir ce qu'on comprend? Comment on va pouvoir noter ce qu'on a compris, se détacher de soi, non, Laura, se détacher de soi afin d'accueillir dans la tolérance ce que l'autre a à dire. Alors ça fait très très mystique,
Parce que, je veux dire, ça fait très mystique dans le sens où c'est une position. Non, c'est une position, écouter l'autre. Écouter l'autre, et c'est une, il n'y a pas une distinction des deux scènes, travail professionnel et travail analytique. Bien sûr que si, il y a une grande distinction, Marie-Thérèse, bien évidemment, bien évidemment. Mais disons que quand je parle de l'écoute, d'une certaine façon, je me rapproche un petit peu de cette écoute professionnelle analytique dans le sens où c'est quelque chose qui, c'est pour ça qu'on va dire que étudier la psychanalyse, ce n'est pas quelque chose uniquement pour les candidats aux psychanalystes ou des gens qui prétendent vouloir un jour travailler comme psychanalyste. Sinon, je pense que notre ressenti signifie quelque chose. Bon, ben voilà. Ça, il signifie quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, ce que je disais, c'est que l'écoute, c'est pour ça que je disais que se former comme psychanalyse, s'analyser, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, dans le sens où on va apprendre cette possibilité, justement, de mettre un petit peu une distance à ce qu'on ressent, une distance à ce qu'on pense, pour pouvoir être, pour pouvoir être face à l'autre, pour pouvoir écouter la personne qui nous parle, hein, pour pouvoir écouter la personne qui nous parle. Ça va être une des choses, on va dire, des plus importantes, non? Et parce que je disais que, donc, si je n'écoute pas, si j'attribue des choses à ce que l'autre dit, si je pense qu'il me dit ça pour ceci, qu'il me dit ça pour cela, parce qu'il veut que je pense ceci, qu'il veut que je... Alors là, je ne l'écoute plus. C'est pour ça qu'on dit que d'une certaine façon, je l'assassine, c'est-à-dire je le fais disparaître. C'est mes idées, non, qui s'imposent, c'est mes idées qui s'imposent et l'autre disparaît. Et en plus, quand je lui attribue des choses ou que je lui attribue que comme si je le connaissais, non, que on va dire que je le maintiens dans des mots antérieurs, dans ses phrases d'hier. Je pense que il me dit les mêmes choses qu'hier, alors que lui, il est différent. Et que si nous avions la possibilité, que pensez-vous de la communication non violente dans les situations conflictuelles? Donc, bah, la communication non violente, c'est quand on apprend à parler, non? Dans les situations conflictuelles, si nous savions un peu mieux parler, bah, obligatoirement, les conflits seraient bien différents. Donc, je disais que si nous avions cette capacité de pouvoir penser que l'autre, celui que l'on voit tous les jours au travail, aujourd'hui il est différent parce que je ne sais pas ce qui lui est arrivé hier, et qu'il y a peut-être quelque chose qui lui est arrivé qui a fait qu'aujourd'hui il soit différent. Donc obligatoirement, si on avait cette possibilité, tous, chacun de nous, imaginons cette chose utopique, non, que nous aurions la possibilité tous d'être différents. Ça nous ouvrirait la possibilité de l'être. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'apprendrait, mais ça veut dire qu'au moins on ouvrirait la possibilité à la conversation, à dire j'ai eu la possibilité. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que tout d'un coup, celui qui parle, il s'entend dire une phrase qu'il n'aurait jamais dite. Il s'entend dire quelque chose et il est surpris par la phrase qu'il a dit. Non? Les mots peuvent être chargés de violence. Les mots peuvent être chargés, mais ce n'est pas de la violence. Non? Parce qu'on parle de la violence verbale, donc, mais ça n'a rien à voir avec la violence physique. Non? La théorie de l'esprit. Bonsoir. Donc, ce que je disais, non, que cette idée de pouvoir penser que nous avons la possibilité comme être humain d'être en face de l'autre et de le considérer comme quelqu'un de nouveau, quelqu'un que je ne connais pas, même si je l'ai vu hier. Non, et que si chacun d'entre nous, nous avions cette possibilité, c'est quelque chose qui est une possibilité pour l'être humain. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire que nous, pour l'instant, c'est une utopie. Je ne sais pas si dans les siècles à venir, il existera cette possibilité pour l'être humain, mais en tout cas, c'est une possibilité humaine. C'est-à-dire que je fasse face à l'autre, non, que je l'écoute de la même façon de m'écouter, parce que quand on parle, et quand on parle de se laisser parler, c'est se laisser surprendre par ce que je vais dire. Se laisser surprendre, et pour, par exemple, dans le travail, pour qu'il y ait des nouvelles idées qui surgissent, pourquoi avons-nous tant de mal à dire les choses à un collègue, Régis? Exactement. Ben parce que on a peur. Alors, ça peut être pour des milliers de raisons. Enfin, des milliers, j'exagère, mais ça peut être pour de nombreuses raisons, dans le sens où, des fois, on a du mal à dire certaines choses à l'autre. Alors, déjà, parce qu'on pense des choses auparavant. Je dois lui dire que. Pourquoi je dois lui dire? Si ça se présente, je verrai si je dis quelque chose ou je dis rien. Premièrement, non, parce que se laisser parler, c'est pas dire il faut que je lui dise que ta ta ta. On verra à un moment donné.
Donc, il y a des choses où c'est la réalité qui présente la scène pour que moi je puisse parler de certaines choses. Et si la scène ne se présente pas, ben, je ne vais pas en parler. Hein? Donc, la principale difficulté dans la communication, non, on va dire, c'est de ne pas assumer, car certains se victimisent. Oui, mais car certains se victimisent. Ben oui, que voulez-vous? Donc, c'est ne pas comprendre ou ne pas accepter, plus que comprendre, puisqu'il s'agit plus d'une chose de l'acceptation, accepter les différences. Que l'autre est différent, différent de moi, qu'il est différent d'hier, que moi aussi j'ai changé, que je ne suis pas la même qu'hier, je ne vois pas les choses de la même façon. Et alors, j'ai déjà souligné ce genre de choses, dans le sens où théoriquement nous le savons, mais qui le met en pratique? Qui arrive à le mettre en pratique? Alors, un instrument qui est très utile aussi pour la communication, que je n'avais pas pensé souligner ce soir, mais qui est l'humour. L'humour, c'est quelque chose, c'est-à-dire de pouvoir. Et quand je dis l'humour, c'est pas simplement se moquer des autres, c'est se moquer de soi-même. L'humour, c'est avoir la capacité de se moquer de soi-même. Et quand il y a quelqu'un qui vient, qui vous critique, par exemple, répondre par de l'humour en vous moquant de vous-même. Non? Et ça, c'est quelque chose qui détend. Alors, celui qui vient et qui se fâche avec vous, ben alors là, il est complètement désarmé. On le désarme complètement. Bon, après, il faut s'apprendre aussi. Ça, c'est une autre chose à apprendre. Apprendre à pouvoir se moquer de soi-même et à pouvoir le faire avec. Non, avec. On va dire avec. Avec humour. Avec humour, non? Parce que. Pouvoir le faire avec une certaine intelligence pour que l'autre. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous expliquer comment arriver à une bonne communication au travail avec tout d'abord une bonne écoute. Voilà, exactement. Avec tout d'abord une bonne écoute. Avec élégance, d'accord. Ou avec élégance, bon, parce qu'on aime bien l'élégance et tout ça, mais même si c'est un peu brut, ce qui est, parce que des fois, l'humour aussi, ou la blague, c'est justement se permettre de dire des choses que normalement personne ne dit, qu'on ne dit pas, qui ne suivent pas les protocoles, non, de pouvoir dire des choses différentes. Alors, une autre chose, j'ai ramené encore aujourd'hui un autre aphorisme du maestro Melassa qui dit, et qui est très intéressant, qui dit, le plus important de moi est hors de moi. Non? Parce que hors de moi, il y a l'autre. Hors de moi, il y a l'autre. Non? Donc, c'est pour ça que l'autre, en fait, il est plus intéressant que moi. Que l'autre, il est plus intéressant que moi, mais pas uniquement au travail. À moins que tu considères que le travail est constant et ne se réduit pas au professionnel. Donc, dans toutes les relations, parce qu'effectivement, toutes les relations sociales sont un travail. Un travail dans le sens où c'est quelque chose qui se construit. Non? C'est pour ça qu'on parle de travail. C'est pas quelque chose qui est donné a priori, quelque chose qui existe avant la conversation. La relation n'existe pas avant qu'on commence à parler. Non? C'est la conversation qui va construire. Or, parfois, non, comme on voit dans les films, des fois ils commencent, ils se disputent et puis ils finissent par s'aimer. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans une relation. Donc, dans chaque relation, enfin, laisser la possibilité d'une construction, laisser la possibilité d'une construction. Donc, c'est pour ça que, mais qu'écouter, on va dire, parce que écouter ou savoir écouter, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'en fait, je dois être, on va dire, d'une façon générale, être dans le monde. C'est-à-dire m'oublier moi, parce que pour être dans le monde, je dois m'oublier moi. M'oublier moi, parce que sinon. Hein? Alors, Fatma dit comment réagir. Alors, il n'y a pas de solution, comment faire ceci face à cela, comment faire ceci face à cela. Non, moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à écouter, pas à résoudre. Parce que si on apprend à écouter, on apprend à réagir correctement face à ce que la réalité nous présente. Non? Que c'est-à-dire s'oublier soi, donc lâcher prise. Ben, c'est pas obligatoirement lâcher prise, parce qu'on a l'impression que là, on est dans le vide. Alors, ce n'est pas exactement un vide, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui nous soutient. Nous ne pouvons pas tomber du langage. Nous sommes dans le langage et donc nous allons continuer à utiliser. Alors, bien sûr,
De temps en temps, peut-être qu'on va pas dire le mot juste, peut-être qu'on va dire une connerie, Carole, bonjour, peut-être que on va se tromper. Mais bon, ça fait partie du jeu. Non, vouloir ouvrir la bouche et ne dire que les choses correctes et précises et idéales, ça n'existe pas. Alors là, dans ces cas-là, bien sûr, je ne parle pas, parce que si c'est ce que je prétends, la communication va être difficile. Pourquoi la peur à la réaction de l'autre fait que l'on ne dit pas les choses? Donc, vous répétez la question. Non, Régis, je n'ai pas dû vous répondre. Ben, je vous dis, premièrement, peut-être parce que j'ai peur de m'écouter moi-même dire les choses. Donc, très souvent, c'est parce que j'ai peur de m'écouter le dire, parce que j'ai l'impression que je vais le dire avec une furie ou que je ne vais pas mettre l'intonation que j'aimerais mettre. Donc, parce que l'idée de la réaction de l'autre, la réaction de l'autre, c'est la réaction de l'autre. Hein? Ou alors, qu'est-ce que j'ai peur? De perdre son amour? De perdre son intérêt. Alors là, il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. C'est pas ma phrase, non, qui est le problème. Le problème, c'est ma relation avec l'autre. Si j'ai peur de perdre l'autre parce que je vais lui dire telle chose ou telle chose, donc là, moi, c'est moi qui dois revoir ma relation et la possibilité de penser qu'il y a des gens que je peux perdre à cause d'une phrase. Hein? Hein? Je veux dire que je dois réviser un petit peu ce genre de choses. Hein? Donc on avait déjà fait référence un petit peu au narcissisme des petites différences, non? Qui est un inconvénient pour les conversations, la difficulté donc de tolérer que l'autre, les différences de l'autre, non? Et oui, en effet, c'est la peur qui nous empêche ou qui nous bloque. Oui, mais on ne sait pas de quelle peur vous parlez. Parler n'est pas dire selon Lacan. Donc, bon, parler n'est pas dire selon Lacan, mais parler n'est pas dire selon Lacan, qu'est-ce que ça veut dire? Non? Parce que ça, on prend comme si c'était un aphorisme. Ça, c'est dans un contexte. Les phrases de Lacan sont dans un contexte, non? Qui fait partie de... où il veut nous dire pourquoi il nous dit ça. Parler n'est pas dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il nous dit ça? Donc, parce que dans la difficulté aussi de la communication, c'est d'être en relation. Comme je disais, la plus grande difficulté, c'est qu'en fait, quand je parle à l'autre, c'est comme si je me parlais à moi-même. Il y a beaucoup de gens qui parlent tout seuls, non? Qui parlent tout seuls, qui s'imaginent ce qu'ils vont dire, qui s'imaginent ce qu'ils vont dire à l'autre. Donc obligatoirement, qui s'imaginent ce qu'ils vont dire à l'autre. Et donc, s'ils ne disent pas comme ils l'avaient pensé, ben du coup, ils se bloquent, ils continuent plus, ou ils disent quelque chose et l'autre, il fait une grimace, ou il fait ceci, il fait cela, et donc du coup, on répond plus selon la réaction de l'autre, non? Mais ça, c'est quelque chose de particulier, on va dire. Donc, donc, parler, c'est l'énoncé. Dire, c'est l'énonciation, je crois, dans le sens de Lacan. Oui, mais c'est pareil, ça c'est... Non, puis en plus, c'est quelque chose de psychanalytique. Non, c'est dans la relation analytique, on va dire. Donc, c'est pareil, donc, d'en parler, par exemple. Parce qu'on parle d'écouter comme si c'était une fonction qui était plus difficile que celle de parler. Mais parler, ça a aussi toute sa complexité, parce que de la même façon que je dois bien savoir dans quelle situation je me trouve, parce que pour pouvoir parler et dire ce qu'il faut dire au moment juste, non, parce que ça existe, c'est une possibilité, je dois être dans le monde, je dois être dans la situation que je suis en train de vivre. Je ne suis pas être avec mes idées que j'ai préparées hier, ni celles d'il y a 5 minutes, ni de ce que je pense d'après. Non, c'est-à-dire être dans le présent et me rendre compte de la situation, de ce qui est en jeu dans la conversation, si c'est une relation professionnelle, non, par exemple, et pareil, ça c'est pas quelque chose qui est facile. Alors on va dire. J'entends que ce serait le propre du sujet psychotique. Alors ici on parle. On parle de nous tous, non? On ne parle pas du psychotique ou du névrosé ou du pervers. On parle de nous tous, parce qu'en fait, nous avons tous
non, des traits caractéristiques aux psychotiques, aux névrosés, aux pervers, aux narcissiques, tout ça. Donc c'est quelque chose qui font partie j'allais dire de notre personnalité, de notre position dans le langage. Non? Assez souvent, je me suis posé la question, comment faire? Ben oui, mais comment faire, Karima, bonsoir, comment faire? Il n'y a pas de comment faire, c'est se psychanalyser. Comment faire? C'est se psychanalyser, parce que comment faire face aux phrases de l'autre sans être offusqué, sans vouloir non l'interrompre, tout ça, c'est un travail. Sans penser si ce qu'il me dit c'est bien, si ce qu'il me dit c'est mal, c'est un travail. Donc, et en plus sans penser, parce que très souvent aussi on va écouter l'autre et on va penser que peut-être qu'il me ment, peut-être qu'il ne me dit pas la vérité, peut-être qu'il me dit ça pour me faire croire que ça. Alors vous voyez tout ça, j'arrête d'écouter l'autre là. Je suis en train de mettre. Hein. Et alors ce que je voulais voir, ah, une phrase encore du maestro Menassa qui est très intéressante, qui dit, entre ce qui me plaît et ce qui me convient, je dois choisir ce qui me convient. Hein? Et ça, c'est quelque chose aussi indispensable dans le travail. Et c'est quelque chose qui convient d'utiliser aussi dans notre vie personnelle. Mais vous voyez, nous sommes, des fois, je me dis que c'est illusoire de communiquer, car croyances et fantasmes derrière chaque sujet. Mais c'est pour ça que la communication est d'une certaine façon, jamais, on ne sait jamais ce qu'on se dit. Qu'est-ce qu'on s'est dit là? Qu'est-ce que chacun a écouté? Chacun a écouté une chose différente, chacun a pensé une chose différente. Si on fait l'exercice de dire chacun qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre de psychanalyse pour tous mardi à 21h, le 11 octobre, tout le monde va dire quelque chose de différent. Tout le monde. Hein? Donc obligatoirement, la communication, et dans une communication, c'est la même chose. Dans une relation, dans un dialogue. Mais si tu m'as dit ça, mais non, je te jure, tu ne me l'as pas dit, j'en suis persuadée. Parce que chacun, en plus, a associé après la phrase qu'il a écoutée à sa propre histoire, et tout ça, c'est. Hein? Et encore, ça, c'est ce que je dis, Valérie. Au travail, il me semble qu'il existe des codes de communication selon les générations. Bien sûr qu'il y a des codes de communication, effectivement. Mais ça, là, on regarde donc dans l'aspect un petit peu sociologique, non? Quand quelqu'un est défaillant au travail, pourquoi personne n'ose lui dire? Ça dépend des boîtes, non? J'allais dire, il y a des sociétés où il y a des gens qui disent que l'autre, ce qu'il ne fait pas bien, et qui critiquent les autres, et que. Mais après, il faut tolérer. Il faut tolérer, qu'est-ce que vous voulez? Une équipe avec que des travailleurs parfaits? Ben, ça n'existe pas. Donc, vous n'allez travailler nulle part, ou vous tolérez qu'il y en a un? Non, vous vous rappelez que Freud, il dit, boiter n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de boiter, et que nous boitons tous, et chacun d'une manière différente. Donc nous devons savoir, après ce qui est intéressant, c'est de savoir que lui, il n'est pas très efficace parce qu'il arrive en retard, donc on sait qu'on peut compter sur lui, mais ça va partir de telle heure, mais il est très efficace pour ça, que l'autre il vaut pour ceci. Non, d'apprendre un petit peu à savoir avec quelle équipe, non, qui nous donne facilement les choses, en fait. Parce que demander, non, comme demander des poires au châtaignier, bah, obligatoirement, on va toujours se retrouver sans rien. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à voir avec qui nous sommes pour savoir avec qui nous pouvons, non, qui nous pouvons, à qui nous pouvons demander quoi, hein, et savoir, et surtout, voir dans le sens. Ça, c'est une opinion, c'est une opinion. Alors, qu'est-ce que l'autre éveille en nous? Bah, ça, c'est quelque chose qui est en relation avec vous. Non, c'est pas en relation avec l'autre. Si l'autre y réveille quelque chose en moi, je vais me dire pourquoi l'autre y réveille quelque chose en moi. Hein? Alors, parce que parler aussi, ça a sa particularité, dans le sens que parler, ce n'est pas persuader l'autre, pas chercher à persuader l'autre. Non, c'est-à-dire que ne pas vouloir que l'autre, il me dise, ah oui, tu as raison, ah oui, c'est vrai, ah oui, tu as raison. Non, parce que là, sinon, on est au noir ou blanc. Non? Et donc, il y en a un qui se soumet à la phrase de l'autre. Hein? Donc, je vais essayer de persuader l'autre que j'ai raison. Non? Et que j'ai raison ou que je possède la vérité, on va dire. Non? Donc, on va voir.
Donc, dans le parler, on va dire, dans le parler et l'écoute, non, on va voir, et en plus c'est intéressant parce que quand l'autre il parle, si moi j'apprends à l'écouter, je vais voir un petit peu, comme je disais, sa position que lui il a, c'est-à-dire ce que lui il est capable aussi de tolérer. Non, parce que quand j'écoute bien l'autre, c'est-à-dire que je ne m'écoute pas moi, sinon que j'écoute la manière de parler, parce que c'est pas simplement le contenu, sinon de comment l'autre se positionne, comment l'autre va parler, comment il est en relation, non, lui-même, on va dire avec le langage, il va me donner beaucoup d'informations sur lui, beaucoup d'informations. Donc, ce sont des choses qui sont intéressantes, surtout dans le secteur professionnel, de savoir vis-à-vis non, face à qui je suis. Et donc, pour pouvoir, c'est pareil, pour pouvoir être responsable, pour pouvoir être un chef, pour pouvoir coordonner le travail d'une équipe, par exemple, il est nécessaire de pouvoir renoncer à ses propres idées, de renoncer à sa manière d'être. Pourquoi? Pour être au service des autres. Non? Parce que celui qui est responsable d'une équipe, en fait, il est plus, en fait, il va plus travailler. Normalement, il doit travailler pour les autres. Il doit travailler pour que les autres puissent travailler. Donc, il travaille pour les autres. Directement, non, c'est un autre type de fonction qui est aussi très intéressante. Non? Donc, la communication, parler, écouter, c'est un apprentissage. Il s'agit d'apprendre à se positionner dans le langage. Et parce qu'il y a une autre chose aussi, parce que écouter, c'est je ne vais pas croire tout ce que me dit l'autre. C'est pas qu'il me ment ou qu'il y a un mensonge ou une vérité. C'est que je vais l'écouter sans juger, sans penser que ce qu'il me dit, c'est vrai. Non, parce que on ne sait pas ce qu'il y a pour l'autre derrière cette phrase. Qu'est-ce qu'il a derrière cette phrase? Quand il vient me dire qu'il n'est pas content, parce qu'il y a un collègue de ceci, un cela, j'écoute, je ne sais pas de quoi il parle, de quoi il vient se plaindre. Donc je dois écouter jusqu'à la fin pour voir si j'arrive à découvrir. Et si je ne découvre pas, ben je ne découvre pas. Non, parce que tout ne va pas être. Donc il faut savoir qu'il y a cette communication inconsciente où nous sommes aveugles à cette communication. Nous sommes aveugles. Donc en fait, on va dire que nous sommes le prendre au mot, mais pas à la lettre. D'accord, mais ni au mot, ni à la lettre. Non, ne pas le prendre. Ne pas le prendre, Marie-Thérèse, directement, ne pas le prendre. C'est-à-dire, ne pas le prendre, l'écouter quand il dit, moi j'aimerais bien que vous fassiez telle chose. Bon, on va voir, travailler pour les autres. En général, on travaille pour soi. Je veux dire que quand. Non, on travaille pour les autres. Le travail, c'est quelque chose qui. Les bénéfices, nous, ce qu'on a, c'est un salaire. Non? Je crois qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Parfois, certaines personnes parlent si vite, peut-être encore, elles me font penser à des mitraillettes. Alors, parfois, il y a des gens qui parlent très vite pour ne pas être écoutés. Non? Ou il y a des gens qui parlent tout bas. Ils parlent tout bas pour ne pas être écoutés. Ou pour. Non? On va dire, ils me parlent tout bas pour que je me rapproche. Tu veux un baiser? Non, je veux dire que c'est quelque chose qu'il faut voir, qu'il y a des gens effectivement qui parlent pour ne pas être écoutés, pour pouvoir répéter leur truc, que personne m'a compris. Hein? Donc c'est quelque chose C'est pour ça que chaque position, mais donc pour répondre à Céline, on travaille pour les autres, on travaille pour les autres. Le bénéfice du travail, de ce que je vais produire, bonsoir Simona, de ce que je vais produire dans mon travail, ça va bénéficier des autres, c'est pas moi qui en profite. C'est un produit qui va servir pour les autres. Moi, le bénéfice que j'ai dans mon travail, c'est mon salaire. Après, je peux avoir d'autres types de bénéfices selon mes relations avec les autres, découvrir comment sont les autres autour de moi, comment leurs relations, avec la possibilité. Bon, après, chacun a son secteur d'activité, donc qui est tout à fait particulier, mais que les autres sont toujours là. Les autres sont toujours là, donc je dois apprendre à écouter, à écouter, à écouter et à découvrir les autres. Non? Donc ça c'est important. Le meilleur de moi est hors de moi. Le plus beau de moi est hors de moi. Parce qu'en fait, c'est pas à l'intérieur de moi, c'est ce que j'ai la capacité d'écouter, c'est ce que j'ai la capacité de voir qui est toujours en relation avec moi. Parce que non, mais qui est hors de moi. Hein? C'est-à-dire que tout passe d'abord par soi et ensuite aux autres. Donc on va dire, mais que moi je pense que c'est pas d'abord et ensuite, sinon que c'est en même temps, Annie. Non, ça doit être en même temps. C'est-à-dire que si je donne à l'autre,
Non, parce que dans le même acte de donner, si je donne quelque chose à d'autres, je me rends compte que moi j'ai. Sinon, qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Je ne peux pas donner à l'autre. Si je ne donne pas, si je ne suis pas généreux, je n'ai pas. Je me rends compte que j'ai quand je peux donner à l'autre. Et c'est quand je donne que, même si après, non, il va se produire ce qui va se produire parce que j'ai donné, mais c'est comme ça que j'ai, on va dire, vous avez du carburant chez vous et les autres ici, ce soir, ça va. Bonsoir Sonia. Donc, c'est la générosité, en fait, elle est plus ou moins. Parce que quand je suis généreux, moi aussi je gagne. Moi aussi je me rends compte de ce que j'ai. Moi, c'est quand je parle avec vous que je me rends compte d'une certaine façon de mon savoir inconscient, dans le sens où, bon, j'ai pris quelqu'un d'autre pour orienter un petit peu, non? Mais le reste, c'est de l'improvisation. Donc, comme c'est de l'improvisation, ben, moi aussi, je suis surprise par les phrases que je vais m'écouter dire, par voir un petit peu comment je vais faire. À chaque fois, c'est une. Non, je monte sur la scène et puis on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Et donc, il y a la surprise de se découvrir, mais ce n'est que en parlant avec vous que moi j'ai le. Non, ça rebondit sur moi, que moi je peux me rendre compte que je veux dire que c'est une générosité intéressée. C'est une générosité intéressée, comme toutes les générosités. C'est-à-dire que, il y a toujours, et c'est toujours dans les deux sens. Et c'est toujours dans les deux sens. Et quand on ne fait des choses que pour soi, ben, c'est très difficile de faire des choses que pour soi. Parce qu'en plus, parfois, il y a des gens qui font des choses pour soi, pour emmerder les autres. C'est une autre chose, non? C'est-à-dire que ça, c'est une autre position. Que je veux dire qu'il y a des choses, qu'il y a des sujets qu'ils vont faire expressément pour je viens de rentrer du travail. Ok, très bien. Donc, non, que ce sont après chacun, mais que les autres sont toujours inclus. On n'est pas seul. Que les autres sont toujours inclus, même s'ils ne sont pas inclus directement parce que je peux les toucher ou avec qui je peux parler, ou ils sont inclus dans mon fantasme. Donc les autres font partie de moi. Les autres font partie de moi. Donc c'est pour ça que la solitude, d'une certaine façon, la véritable solitude, dans le sens de c'est une illusion pour l'être humain. Non? Pourquoi la franchise est mal vue? Régis, il continue. La franchise est mal vue. Bah, parce qu'on ne peut pas tout dire, Régis. Il y a des choses qu'on n'a pas à dire. Allez, c'est vraiment un sujet très important, effectivement, Frédéric. Non, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Allez, faire la liste et dire les défauts des autres, ça sert à rien. Allez dire, toi, tu fais pas bien ça. Hein, puis toi, aujourd'hui, tu t'es pas bien lavé. Hein, et puis t'as vu, toi, tu t'es coupé en 3 ans. Et puis toi, non, on n'a pas à aller à souligner les difficultés que chacun a, non, dans sa vie quotidienne, je veux dire. Non, parce qu'il y a certaines, il y a pour certaines personnes qui ont une tendance à ce regard, on va dire, on est plein de défauts, on est plein de défauts. Et de l'autre côté, si la personne qui nous regarde, non, est un peu plus optimiste, on va dire, bon, on n'a que des qualités. Donc ça dépend un petit peu qui nous regarde. La franchise, c'est pas dire ce qu'on pense, mais rien de contraire à ce que l'on pense. Ben oui, mais comment on sait? Parce que ça, c'est penser. Que l'on sait ce que l'on pense. Alors que moi, la proposition, enfin, ce que la psychanalyse propose, c'est de rentrer en scène derrière ces mots. Donc ce n'est pas que je sais d'avance ce que je pense et après je vais venir et je vais le plaquer sur l'autre pour dire voilà ce que je pense de ton attitude. Non. Non. En plus, à quoi ça sert? Il y a beaucoup de choses que l'on pense qui ne sont pas nécessaires d'être dite, et en plus ce que l'on pense, je veux dire, c'est. Non? On doit toujours peut-être se poser la question, là, à se dire, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile de dire certaines choses? C'est pour ça que la psychanalyse est très intéressante, parce que dans l'espace psychanalytique, on va dire, dans cet espace personnel, intime, que l'on peut avoir, là, on peut le dire. Et on peut le dire, et on peut critiquer les autres, et on peut. La parole précède l'être, d'une certaine façon. Mais on ne parle pas d'être. Non, on ne parle pas d'être. Mais on va savoir ce que l'on pense quand on parle. Tant qu'on ne parle pas, on va dire ça s'appelle la masturbation mentale. Hein? Donc il semble essentiel d'avoir un filtre. Mais ce n'est pas un filtre. C'est se rendre compte où on est, Paola. C'est pour ça qu'on dit qu'il est important pour pouvoir parler, écouter, d'être dans le monde. Parce que sinon, je dis ce que j'ai envie. Mais ça, ce n'est pas ce que j'ai, être dans le monde.
Ça, c'est me laisser guider par oh ben là j'ai envie de me masturber, je vais me masturber, oh ben, j'ai vraiment envie de me masturber, alors je vais me masturber là devant tout le monde. Non. Non, c'est pas l'envie. Le filtre, c'est me rendre compte où je suis. Donc si je suis dans le travail, si je suis avec des amis, qu'est-ce qu'on fait avec des amis? C'est pour ça qu'il y a tout des choses, tout à revoir. Qu'est-ce que c'est un ami? On peut dire n'importe qui, n'importe quoi à un ami, parce que c'est un ami, je vais lui dire la vérité, je vais lui dire tout ce que je pense, ou qu'est-ce que ça? On peut se poser la question, mais c'est un autre sujet. Non? Après, on va avoir les relations selon l'idée qu'on a des amis. Alors, selon l'idée qu'on a des amis, on va parler selon cette idée qu'on a avec les amis. Parce qu'après, il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Ah oui, parce qu'il faudrait qu'ils redéfinissent le mot ami. Non, pour pouvoir se rendre compte qu'une relation amicale, ce n'est pas obligatoirement ce qu'ils avaient imaginé. Parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est qu'il faut se rendre compte que quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, ou qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas, ou qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes idées. Il faut changer d'idée. Que c'est les idées qu'on a sur certaines choses qui ne fonctionnent pas. Donc, pouvoir changer d'idée. Mais comment on fait pour changer d'idée? Se psychanalyser. Oui, messieurs, dames. Je suis désolée, j'en reviens toujours au même, mais c'est le seul instrument dont on dispose aujourd'hui pour pouvoir réellement modifier nos idées. La lecture aussi, c'est quelque chose de très important, non? De pouvoir se nourrir des pensées des autres, des idées des autres, qui tout d'un coup nous font clic, non? Et nous permettent de modifier certaines idées. Mais surtout, c'est un phénomène qui va arriver avec beaucoup plus de facilité quand on est dans un processus analytique. Bon, voilà pour aujourd'hui, d'accord? Donc, mardi 11, nous allons terminer là pour... Martine n'est pas encore là, mais elle va arriver. Et donc, bonsoir, bonne continuation à tous, bonne soirée. Je vous attends donc mardi prochain dans ce même espace. Vous savez que vous pouvez partager cette, et je vous remercie de le faire, cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et donc, on revient... mardi prochain, au même endroit, à la même heure, pour continuer donc cette communication que nous avons tous les mardis. Merci Nadine, Paola, les créations artistiques aussi, Karima, merci à vous, Laura, merci, allez, au revoir, Martine, merci pour votre intervention, nourrit des situations de Monsieur Menassa, Paola, merci, allez, au revoir, Marie-Thérèse, bonne soirée, au revoir Claudette, Annick, bonsoir, Célia, bonsoir, donc à mardi prochain. Effectivement, Céline, merci à vous. Néléa, bonne soirée. Nadia, au revoir, bonne continuation. Sarah, au revoir, très éclairant. Je suis une lumière, Michel. Estelle, merci. Sonia, bonne soirée. Régis, merci à vous. Et Françoise, allez, merci à vous. Marie, belle soirée à vous aussi. Med Tab, au revoir, Frédéric. Et allez, à très vite. Saïs, merci. Simona, au revoir. Connie, au revoir. Pascal, Tala, donc au revoir à tous. Nous sommes encore 80 avant de fermer cette vidéo. Donc merci pour votre participation, pour votre enthousiasme. Et on continue donc la semaine prochaine. OK. Au revoir. Allez, bonne continuation. Ciao, ciao.